gérer les événements et l'historique. L'historique. Appuyez sur l'onglet Historique en bas de votre écran. Appuyez sur Partage en haut à gauche de votre écran pour envoyer l'historique par mail. Appuyez sur Réglages en haut à droite de votre écran pour filtrer les événements à suivre. Et appuyez sur Plus en bas à droite de votre écran pour ajouter un événement. Ajouter un événement. À partir de l'onglet Accueil ou de l'onglet Historique, appuyez sur Plus pour créer un nouvel événement arrivé dans la journée de l'utilisateur du boîtier. Choisir quel utilisateur est concerné par l'événement si vous avez plusieurs utilisateurs. Renseigner la date, l'heure et la nature de l'événement. Écrire une note de l'événement pour garder une trace de celui-ci. Appuyez sur le bouton Valider pour créer l'événement. En revenant sur l'accueil, vous accédez à la liste des rappels et notifications des événements des utilisateurs du boîtier. Modifier ou supprimer un événement. Sélectionnez l'événement que vous souhaitez modifier ou supprimer. Modifiez la note de l'événement et appuyez sur le bouton Valider. Ou appuyez sur le bouton Supprimer cet événement pour supprimer l'événement de l'historique. Filtrer les événements. À partir de l'onglet Historique, vous avez la possibilité de filtrer vos événements. Appuyez sur le bouton Réglages en haut à droite de l'écran pour ouvrir le menu des filtres. Vous pouvez filtrer les événements en fonction de l'utilisateur, de la période de temps et du type d'événement. Vous pouvez changer le mode d'affichage des événements en appuyant sur les boutons Liste ou Histogramme.